mesdames, bonjour messieurs et bienvenue pour ce nouveau The Mag spécial débat. Le thème au sommaire aujourd'hui, Dieu en prison. C'est pas coutume et nous allons nous interroger sur la justice des hommes et la présence des aumôniers dans les prisons. Pour débattre de ce sujet, j'accueille mes invités. Bonjour à vous tous, bienvenue. Vous êtes tous à un titre ou un autre déjà allés en prison. Et donc j'accueille d'abord Madame Rosemarie Herbe. Bonjour, bienvenue. Vous êtes aumônier protestant des prisons pendant 20 ans. Vous êtes éducateur spécialisé et aussi thérapeute familial. Samuel Furcy. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes un ancien détenu pendant 10 ans. Vous êtes aujourd'hui visiteur de prison jusqu'en Afrique. Bienvenue, merci d'être avec nous. Christophe Alling, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes pasteur aumônier de prison, ancien membre de la commission de la Fédération protestante de France, justice et aumônerie des prisons, et actuel président de la CEDEF, commission d'entraide auprès des détenus et de leurs familles de l'Alliance évangélique française. C'est exact. Merci d'être avec nous. Philippe Bertrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat pénaliste au barreau de Mulhouse. C'est cela. Merci d'être avec nous aussi. Et enfin, Philippe Auzenet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes ancien aumônier et ancien détenu. Je ne sais pas lequel des deux, il faut dire en premier, mais probablement ancien détenu. Oui, oui, oui. Merci. On peut. Bienvenue en tout cas. Et je vais vous demander à tous un premier mot peut-être pour introduire ce débat. Vous avez tous, comme je disais tout à l'heure, été en prison une fois ou l'autre, peut-être à des titres différents. Mais si vous deviez qualifier en un mot ce que vous y avez vu, quel serait ce mot, Philippe Auzenet ? L'horreur. La solitude. Un microcosme. La misère. C'est navrant. Bon, vous êtes tous assez négatifs, en fait. Est-ce qu'on doit vraiment avoir comme ça aujourd'hui une vision si défaitiste de la prison ? Absolument.